D'où vient tout ton argent? J'ai inventé l'éplucheur de carottes. Tu as inventé l'éplucheur de carottes? Daffy, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et Bugs, d'où vient tout ton argent? J'ai inventé l'éplucheur de carottes! Hey Bugs, d'où vient tout ton argent? J'ai inventé l'éplucheur de carottes. Hey Bugs, d'où vient tout ton argent? J'ai inventé l'éplucheur de carottes. Bon alors, si j'ai bien compris, t'as inventé l'éplucheur de carottes et maintenant t'as assez d'argent pour t'acheter ce que tu veux, quand tu veux. Inventer quelque chose, c'est le meilleur truc pour devenir riche. C'est pas un truc. L'invention, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ben, transpirer, très peu pour moi. Je vais plutôt me concentrer sur l'inspiration. Comment ça se passe là-dedans? J'ai terminé. J'ai inventé quelque chose de tellement extraordinaire que chaque homme, chaque femme, chaque enfant se demandera comment il a pu vivre sans. Tu sais quand tu veux du pain, mais pas non plus toute la mif. Je l'ai appelé les bouts de pain de taille identique à la Daffy Duck. Et le reste du monde appelle ça du pain en tranche. Écoute bien. Tu sais, après être allé aux toilettes, on aimerait bien parfois avoir quelque chose de pratique pour, disons, se nettoyer. Quelque chose, par exemple, comme du papier jetable. Daffy, est-ce que ça veut dire que tu n'utilises pas de papier toilette? Valait l'appeler papier Wawa. Eh ben voilà, ça paye d'avoir inventé l'éplucheur de carottes. J'arrive. On dit que l'histoire se répète sans cesse. Ne serait-il pas extraordinaire de rendre visite au passé et de découvrir de visu ce qui s'est vraiment passé? Mais bien sûr, pour y arriver, il faudrait construire une machine, un portail dans lequel notre structure moléculaire serait désintégrée puis rassemblée à l'identique une fois arrivée à destination. T'as inventé une machine à remonter le temps? Non, mais si cette machine existait et qu'on s'en servait beaucoup, on aurait sûrement besoin d'une grande boîte avec une poignée pour transporter ses affaires. Une valise? Tout a déjà été inventé! Inventer est une mission impossible. Comment y es-tu arrivé? Eh bien, d'abord, il faut être passionné par quelque chose. Ensuite? Et il se trouve que je suis passionné par les carottes. J'écris toutes mes idées dans ce petit carnet. Et l'une d'entre elles est devenue une petite chose appelée l'éplucheur de carottes. Bon, sur ce, je dois te laisser. Il faut que je dépose un chèque à la banque. Voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Un éplucheur de carottes électriques. C'est l'idée la plus géniale que Bugs ait jamais eue. Ou plutôt, c'est l'idée la plus géniale que j'ai jamais eue. Qu'est-ce qui fait rire? Oh, c'est moi qui ai inventé ça. Oh, il faut que je rentre. On va me livrer mon fauteuil de massage. Hé, hey, achetez un éplucheur de carottes électriques. Excusez-moi, madame, puis-je vous présenter mon éplucheur de carottes électriques? J'ai déjà un éplucheur de carottes, il marche très bien. Mais avec mon appareil, vous épluchez les carottes à vitesse grand V, ce qui vous laissera plus de temps pour vous et votre jolie petite fille. C'est un garçon. Mais oui, bien sûr, un petit garçon très costaud, un vrai petit homme, mais mon appareil épluche des centaines de carottes en quelques secondes. Des centaines de carottes? Je ne suis pas à la fin. Votre fils a une tête de fille. Est-ce que je vois ce que je vois? M'aurais-tu volé les plans de l'éplucheur de carottes électriques? Je vais t'expliquer. J'étais jeune, j'avais besoin d'argent. C'est la pire récession depuis la Grande Dépression. Et en plus, tu n'en fais rien. C'est parce que cette invention est stupide. À part moi, personne ne mange assez de carottes pour mettre son argent dans cet appareil. T'aurais dû développer le papier Wawa. Il a raison, personne ne mange de carottes.